Tout sur la chaîne Info et Astuces, Zemmour pour vous présenter aujourd'hui une nouvelle astuce de vidéo. Voilà, donc dans cette astuce de vidéo, pendant que j'étais en train de naviguer un peu sur YouTube, et après ça, ils m'ont demandé de faire la mise à jour de mon YouTube. Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de nouveau qui a été ajouté que je souhaiterais partager avec vous. Voilà, donc si vous êtes nouveau à me suivre sur la chaîne Info, et astucieusement, et que vous n'êtes pas encore abonné, moi je vous encourage à vous abonner. Et si vous trouvez que ces vidéos que je fais c'est intéressant et ça peut intéresser certains de vos amis, voilà, moi je vous encourage aussi à partager ces vidéos et les différents groupes dans lesquels vous êtes, afin que ça d'autres personnes aussi puissent en profiter aussi. Donc, cela, vous savez que vous avez la possibilité de faire mener une discussion instantanée avec l'un de vos amis sur YouTube. Je prends un exemple, je vais m'expliquer. D'abord, avant de vous montrer la nouvelle mise à jour, vous serez obligé de mettre d'abord votre YouTube à jour. Voilà, donc si vous avez votre YouTube maintenant, que vous utilisez YouTube maintenant, vous allez aller sur Play Store, mais soit sur Apple Store pour faire la mise à jour de votre YouTube. Donc après ça, quand vous rentrez dans votre YouTube, vous allez lancer YouTube au moins. Ok, donc quand vous lancez YouTube, vous verrez certainement à l'écran ceci. Vous verrez, attends, voilà. Ok, vous verrez certainement tout juste en bas ici. Plus, là. Voyez, là. Tout juste en bas ici. Le plus, ça, vous allez appuyer dessus. Vous voyez? Donc, là, je vais appuyer sur le plus. Et après la mise à jour, vous verrez qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui affiche dans la mise à jour. Tout juste en bas ici. Ils ont mis ici, d'abord pour aller créer un short, mettre en ligne une vidéo, passer en direct, faire un live ensemble. Vous voyez, donc vous avez la possibilité de faire un live ensemble, c'est-à-dire quoi? Comme de la manière souvent, si vous voulez lancer peut-être un appel vidéo sur WhatsApp, et l'appel vidéo vous permet de pouvoir voir directement la personne avec qui vous êtes en train de causer. Donc c'est cette fonctionnalité que YouTube a ajoutée dans ses paramètres. Vous voyez, donc lorsque vous voulez peut-être causer avec un ami qui est YouTube, et que vous avez les données mobiles là sur YouTube, vous avez la possibilité de causer directement avec vos amis sur YouTube, sans toutefois même avoir même de WhatsApp. Donc, pour cela, je vais vous montrer un exemple. J'appuie sur « Faire un live ensemble ». Quand j'appuie dessus, vous voyez, voici ce que ça me donne. Donc, ici, on me demande de créer quelque chose. Je suppose que je mets peut-être le sujet pour lequel là, je veux causer avec la personne. Vous voyez. Je prends un exemple, souvent c'est sur TikTok comme ça là, vous avez souvent la possibilité de faire un live en direct. Et il y a les gens qui laissent leurs commentaires, il y a les gens qui peuvent vous suivre, ou soit pendant que vous faites le live, vous êtes en direct, les gens vous voient ici, vous vous causez, vous échangez sur un sujet bien donné. Je suppose que je vais mettre quelque chose comme ça, dans l'argent. Bon, je vais mettre la prospérité. La prospérité. De la vie. Et après ça, qu'est-ce que je fais? Je lance. Quand je lance, je descends. Suivre. Donc, voici ça. Et bien, donc, ici, après avoir fini de lancer, on me dira, d'inviter des amis qui peuvent me rejoindre dans ce direct. Deux, on me demande d'envoyer le lien de l'invitation. Vous voyez, donc, je peux copier et inviter mes amis à me rejoindre ici, sur le live. Là. Ou en sorte, je peux envoyer directement le lien afin que mes amis à qui je vais envoyer le lien. Lorsqu'ils cliquent dessus, ils viennent directement s'ajouter ici sur le live en direct sur YouTube.
ça fonctionne un peu comme tu vois un peu, vous voyez un peu comme sur ce TikTok-là. Il arrive encore sur TikTok, on a la possibilité de pouvoir faire des lives sur TikTok On n'a pas fini l'émission. Avec plusieurs personnes. On a fini le marché, on n'a pas fini. Pardon. Il va pouvoir. Donc ici, je suppose que je vais envoyer. Il n'y a plus envoyer. Donc ici, voici les différentes tentatives de pouvoir envoyer le lien de YouTube là. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Si c'est peut-être sur YouTube, vous l'envoyez. Non, sur WhatsApp, vous envoyez sur WhatsApp. Et sur Facebook, vous envoyez. Donc ça dépend de là où vous l'envoyez. Donc après ça, maintenant, vous allez lui faire suivre. Voilà, donc ici, actuellement, j'ai envoyé le lien, mais ici, on me demande impossible de se connecter pour le moment. Parce que j'ai pas vraiment un ami que j'ai invité. Donc c'était pour tout juste vous montrer comment c'est possible de pouvoir avoir un live direct sur YouTube sans toutefois avoir de